Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur l'antenne. Je m'appelle Alexandre Savanelli. Je suis musicien et acteur de formation. Jusqu'à récemment, j'avais un test carrière d'acteur ici à Belgique, en France et en Allemagne. Depuis quelques mois, je commençais à travailler avec mes collègues d'équipe la communication de communauté SkyWorld et nous faisons notre mieux pour populariser cette technologie ici en Belgique. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que depuis le début du mois d'août, nous utilisons la nouvelle application dans les cabinets pour notre webinaire. Et il y a quelques difficultés techniques avec le son. Je tiens à m'excuser par avance s'il y a des divergences techniques. J'espère que ce problème sera résolu le plus rapidement possible. Je voudrais commencer notre webinaire d'aujourd'hui pas comme d'habitude avec une présentation de Unity Key String Technology, mais par une grande nouvelle pour notre entreprise. Nous aimions souvent parler à nos collègues que parfois il est mieux voir une fois qu'entendre 100 fois, comme le dit Proverbe russe, et que ces dernières semaines, notre entreprise a été régulièrement diffusée à la télévision et dans la presse dans le monde entier. Les services marketing de développeurs de technologies de cordes continuent à maîtriser nos nouveaux moyens de promouvoir notre projet sur l'Internet. Après le quiz, nous avons assisté à une sorte de hit parade de nouvelles mois dernières. Nous avons identifié le message le plus populaire du mois, le CNN. Vous connaissez, c'est un principal média mondial, a publié un article sur Unity Key String Technology. Avec le transport de UST, les gens peuvent se rendre dans la ville qui soutient plus rapidement qu'avec n'importe quel transport terrestre. Cela présume que la technologie de transport de notre société est demandée dans le monde entier, qu'elle intéresse les gens, l'entreprise et le pays. En fait, cette technologie résout le principal problème de notre époque, celui de la circulation dense et surtout la solution du Sky Transport sont beaucoup moins chères, plus sûres et plus économiques à mettre en œuvre que les solutions de transport traditionnelles. Ainsi, dans ces postes, j'ai essayé de rassembler quelques vidéos de diverses agences de presse du monde entier comme CBS, NBC, Fox, NTV Deutschland, France 2, etc. Vous pouvez voir ça sur la diapositive ici à gauche. La construction WIC, c'est un magasin spécialisé dans l'innovation et le projet de la construction dans les régions Moyen-Orient. Et publié un grand article sur notre projet. La publication est également apparue sur les canaux des médias sociaux et de la publication. Lors d'un entretien avec un représentant du centre d'innovation de Unity Key String Technology à Sharjah, nous vous proposons une brève paraphrase de cette publication dont l'original peut être consulté dans l'illustration jointe. La technologie de Cort est principalement destinée aux pays où la croissance démographique crée une demande naturelle de transport comme l'Afrique, comme le Moyen-Orient, comme l'Asie, l'Inde et le Pakistan. Le centre de UST est situé dans les Émirats arabes unis pour deux raisons principales. Il lui permet de rapprocher de ses clients en Inde et en Afrique. C'est dans cette région, et développeur de techniques prévoit de mettre de l'œuvre son premier projet commercial. Une station d'atterrissage a été construite pour la piste de 400 mètres de long, déjà achevée. Donc, actuellement, une structure de voies plus longue, c'est environ 2,4 km en cours de la construction, dont le lancement est prévu en novembre 2021. Parallèlement, les travaux sur les normes qui seront appliquées aux véhicules guidés par le corps battant leur plan. Comme il s'agit d'une activité qui prend du temps,
la certification des technologies, ça fait coopération avec la société comme le Bureau Veritas, par exemple. La technologie blockchain est activement déployée pour relier le système de contrôle, la billetterie, la circulation, la surveillance et la sécurité des transports à corps. Deux autres modèles de matériel roulant seront bientôt livrés aux Émirats par République de Belarus. Une Unicompte pour le transport de containers et Unibus pour les passagers qui sont actuellement en cours de production. À l'avenir, Westlink prévoit d'établir ses propres installations de production et le stockage dans les Émirats. À ce fin, une formation pour le futur personnel a déjà organisé aux Émirats Arabes Unis. La rédacteur et le chef d'image de Matrix Tech, Monsieur Jurosen, a déclaré que à Skyway Australia que le système est déjà en place et fonctionne dans le cadre d'un test aux Émirats Arabes Unis. Et mesdames et messieurs, regardez bien l'écran. Dans quelques minutes, je traduirai brièvement ce sujet et nous pouvons poursuivre notre webinaire. Mais j'espère que ça va être avec le son parce que, comme je l'ai dit déjà, il y a été quelques problèmes avec ça. À tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, une nouvelle forme de transport pourrait contribuer à la décongestionner le ville et utilise le nacelle high-tech suspendu à des câbles. La société Uskai de Biélorussie le teste actuellement. Il déclare que le pods high-tech ressemble à l'intérieur un siège de classe d'affaires. Et elles peuvent se déplacer jusqu'à 150 km par heure et contrairement au téléphérique traditionnel, il n'y a pas qu'un seul qui se déplace à faible vitesse. Il est possible d'en avoir plusieurs machines. Il y a 6 ans, en juillet
15, la construction à la plus importante de UST a commencé. Voici Ecotechnopark à Marina Gorka, à Biélorussie. Auparavant, c'est un seul réservoir entièrement rempli de carburant diesel. Maintenant, non seulement un centre d'innovation est situé à la place d'arbres et de buissons, mais aussi on pousse Jordan, les Alliés et les Bosquets. Comme vous pouvez le voir, les mots prononcés par le fondateur et concepteur, M. Anatoly Yunitsky, pendant la construction, a été entièrement confirmé. Souvenons-nous de ces mots, comme elle a dit, notre projet, ça s'appelle Ecotechnopark et Eco passe en premier au nom. C'est la restauration des environnements, le retour, les vies en meilleur sol et le jardin amélioré qui nous procureront une nourriture propre et les routes à rayons seront sûres. Elles ne rouilleront pas et le sol, leur jardin, elles ne tueront aucun objet vivant parce que quelques volants au-dessus du sol et n'attaquent pas la surface sur laquelle nous vivons. Alors, après tout cela, qu'est-ce que c'est le 6 ans qui se passait? Bien sûr, si vous vous souvenez de la promesse de nous fonder la certain ami de notre projet qui ne soucie réellement de leur propre bien-être, je voudrais que les choses passe plus vite, mais en considérant la grandeur de la tâche et le résultat obtenu, ce peu temps dans le processus en mise en œuvre en projet mondial comme le futur transport, nous, le système RSV, disons avec confiance que cela n'est pas les 6 ans et nous voulons féliciter tous avec une date importante. À 18 septembre, un mois prochain, la 4 conférence scientifique et technique internationale Industrialisation sans fusée de l'espace lointain, problèmes, les idées et les projets réunira les scientifiques et des chercheurs de domaines d'ingénierie et d'écologie, de biologie, de social, économie et de la politique de développement contribue au développement actif de l'espace lointain. Elle aura lieu à Marina Gorka, c'est à 60 km de Minsk, sur le territoire de Ecotechnopark. Les sources officielles du programme ECOMIR, dont la mission est de résoudre les problèmes environnementaux, sociaux, démographiques, humanitaires et autres problèmes globaux à l'humanité, de transfert dans l'espace et la partie d'industrie terrestre présente des risques pour l'environnement. On publie des informations spécifiques sur la date et le lieu dans les 4e conférences scientifiques et la technique internationale. Les organisateurs sont Astro Engineering Technologies, String Technologies, partenaires scientifiques sont Université d'État de transport de Biélorussie. L'auteur, Monsieur Anatoly Yunitsky présentera l'information sur les technologies requises pour une solution complexe de problèmes écologiques de notre planète, la survie, le développement progressif de l'humanité. Les représentants de Biélorussie, l'Ukraine, le Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada, la France, Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite participeront à cet événement. Dans les médias du Moyen-Orient, notre projet semble être le sujet numéro 1. Le Gulf News a publié un article de M. Angel Tesorero, un journaliste principal des populaires agences de presse, intitulé « Sharjah veut être la première ville à introduire le monde aérien, la grande vitesse », qui traite le développement d'un système de transport des passagers en fret en chaîne dans les Émirats unis. Dans une autre interview accordée à Gulf News, le directeur et de part à recherche des technologies de Sharjah, M. Hussein Al-Mahmoudi, a déclaré « Nous espérons de commercialiser la technologie et faire le Skypod d'un plus grand succès de la région. La société de transport Ruskay teste actuellement les différents trains de passagers
et marchandises. Il ajoutait qu'elle existe plusieurs options et un placement pour déployer un nouveau type de système de transport surélevé dans le cadre d'un plan global visant à transformer Sharjah en une ville durable et futuriste. Nous sommes tous conscients des problèmes liés à la congestion et la mobilité. Nous pensons que le projet U-Sky contribuera à la stratégie et mobilité de l'infrastructure de Sharjah et l'ensemble des Émirats Arabes Unis, car la nécessité nécessite moins de trains, mais il est plus efficace que notre sorte de transport. Les systèmes de transport et communauté SkyWorld seront reliés au complexe de transport et à l'infrastructure. L'industrie minière sera en mesure de développer les gisements les plus difficiles. Les technologies de communauté SkyWorld permettront de construire des voies n'importe quelle longueur, de degré, de complexité, même les voies transatlantiques. Le prix d'une voie transatlantique avec notre technologie sera comparable au coût de tunnel sur la Manche. Le 6 juin, les journalistes des publications anglophones The National, M. Andy Scott, il est pour la deuxième fois déjà visité le centre expérimental de communauté SkyWorld à Sharjah et préparé le matériel sur le développement de transport à grande vitesse dans les Émirats basé de résultats de la visite. Il dit en particulier le complexe communal SkyWorld a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde entier, mais surtout aux Émirats Arabes Unis, en opérant certains des principaux développeurs. Le système de transport alternatif offre la sécurité, le confort et l'abordabilité. Le premier projet commercial sera disponible dans les Émirats en septembre 2023. La construction devrait commencer très bientôt. Le système surélevé a été conçu à Minsk par Anatoly Yunitsky, un scientifique et membre de la Fédération russe de cosmonautique. En version cargo, sera capable de livrer un conteneur de 12 mètres à grande vitesse, ce qui permettrait de retirer le poids lourd. Le point de réseau est capable d'assis suspendus séparant le centre résidentiel et le bureau, reliés par la fil d'acier et autres résistances. Les cabines se déplacent à manière indépendante, plutôt qu'elle a appuyé sur le système de poulies conventionnelles qui étaient téléphériques, qui est limité à la vitesse, environ 15 km par heure. Selon la société, cette technologie permet de réaliser des déplacements interurbains à grande vitesse pour une fraction de coût des autres systèmes de transport réguliers, soit moins de $200 par mètre. La société dispose de 600 ingénieurs qui exploitent un site essai en Biélorussie dans un écotechnopark de Marina Gorka où 5 autres pistes de 800 mètres sont en service. Une piste d'essai plus longue à Sharjah atteindra sur la 2,4 km avec 8 structures de support d'acide espacé et des structures de béton servant d'ancrage à chaque extrémité. Le coût de construction dépend principalement de la parcelle de terrain et trafic potentiel et passagers sur le réseau terminé. Aussi, Andy Scott a déclaré qu'une ligne de passagers sera probablement construite avec le service de fret. Cela nous donne le davantage pour concurrencier d'autres systèmes de transport, car il sera plus viable financièrement. Les Émirats Arabes Unis sont notre base, c'est le pays plus prometteur pour notre technologie et nous avons beaucoup de soutien à Sharjah. Il s'agit pas seulement d'un système de transport, mais une solution écologique en monde déjà encombré par le trafic. L'empreinte carbone des nacelles est également inférieure, c'est le voyage ferroviaire ordinaire. Les batteries électriques de secours étant partiellement alimentées par l'énergie renouvelable. Des études de faisabilité sur le coût de transport des marchandises de long de réseau ont été estimées à $1 par 5 km pour chaque kilomètre parcouru. Également, le
20 avril, le chef de la région et la directrice générale du parc de recherche des technologies de Sharjah, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi, a organisé la première webinaire internationale au cours duquel il annonçait la technologie de transport de cordes. M. Unitsky, il a dit en particulier, voici quelques exemples de technologies brillantes que nous développons ici à Sharjah. Nous sommes très fiers d'avoir plus grand centre d'innovation de MET en matière de transport de logistique au monde. Nous sommes chargés de développer des technologies de nouvelle génération qui seront promues dans cette région et feront partie intégrante des solutions mobilité de Moyen-Orient. Nous sommes également fiers d'avoir réalisé investissements importants et développement technologique. Nous pensons que le Moyen-Orient a absolument besoin de développeurs, ce type de technologie, et nous travaillons main dans la main, avec le secteur privé et les entreprises et les universités. Nous sommes également très fiers du parc de recherche et technologie de Sharjah qui accueille un plus grand laboratoire d'innovation des Émirats. Grâce à notre partenaire, messieurs du Unitsky String Technology, nous avons construit l'Eco House, qui sont nos principaux partenaires, et nous travaillons avec 4 domaines principaux, la commercialisation, le développement de la science, l'emploi et l'échange des laboratoires. Nous pensons que là, pour avoir une innovation, nous devons développer le capital humain et développer un lien fort avec le monde universitaire et les institutions académiques. Tous les avantages se répercutent sur l'environnement avec une moyenne de 30% d'énergie gaspillée dans le bâtiment commercial. La mise en œuvre de l'information des bâtiments permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie, d'éliminer le gaspillage, de réduire les émissions, de réaliser des économies sur les coûts d'opération des futures technologies de transport comme Unitsky Street Technology, par exemple. Souvent, Alexei Savin, directeur de SV Plant, c'est une société qui fabrique des équipements de UST, a déclaré dans l'interview, nous essayons d'équiper la production avec l'équipement de la pointe. Nous suivons la nouveauté mondiale et visitons l'exposition. Bien que certains pays ayant été fermés et que l'exposition a été annulée en raison de la pandémie, nous essayons de suivre en ligne les progrès de la technologie et l'équipement de traitement. Nous avons des compétences pour le soudage, des découpes de métaux, les découpes de laser, des travaux de métaux, la fabrication des pièces de plastique, un traitement électrique, des batteries, l'onduleur et le moulage des produits des polymères. Il y a 6 centres d'usinage sur la production dont il n'y a pas d'analogue à Biélorussie. En outre, nous avons 3 imprimantes 3D sur lesquelles nous fabriquons partiellement les pièces pour un tiroir extérieur de transport. Les créateurs de ces projets étonnamment efficace, comme vous savez déjà très bien, et l'ingénieur, M. Anatoly Unitsky, il a eu fallu 40 ans de travail acharné pour créer cette technologie pour notre communauté. Au cours des 3 dernières années, la communauté SkyWorld a bénéficié de cette technologie. Elle construit la tronçon d'essai d'itinéraires urbains et de frais. C'est parce que M. Unitsky a tourné vers Moyen-Orient, où la géographie de notre production est très largement entendue. Auparavant, nous concevions les blocs et les composants séparément, et quand nous assemblions, ils ne correspondent bien l'un ou l'autre en termes de forme et de taille. Mais lorsque nous sommes passés à la plateforme expérience 3D, ce problème a été complètement résolu, car il est devenu possible et suivre le cycle de vie complet de la technologie, des esquisses et des dessins de travail de production. Actuellement, la plateforme Expérience 3D a un seul outil qui permet une telle approche. Le système de transport des UST prévoit la mesure
souvent pour les parvenir à éliminer les accidents. Par exemple, l'utilisation des matériaux non combustibles dans les modules et passagers, la disponibilité d'une ventilation d'urgence et sortie des secours, un élément important de la sécurité de notre système, construite par les solutions d'ingénierie qui contribuent à augmenter la sécurité des transports en mouvement. Ces solutions sont notamment les suivantes. Le système anti-déraillement qui compose de trois sous-systèmes qui dupliquent mutuellement. Ces duplications permettent de réduire le risque d'accident qu'il des sous-systèmes deviennent inopérants. Le système de freinage avec un circuit primaire et un circuit de secours. Le circuit de secours fournit à moins de 50% de force et freinage et maximal du système de la freinage des services. Alors, j'aimerais bien aussi expliquer comment fonctionne le transport à corps de notre communauté. Regardons quelques exemples. Les véhicules, ils sont faits des polycarbonates très légers et équipés d'un moteur électrique qui est ultra léger aussi. Ils utilisent le panneau solaire et l'énergie éolienne, mais aussi l'électricité ordinaire pour la fonctionner. Le mouvement est facilité par le fait de simples cordes tendues, même sur le terrain très élevé et accidenté. On peut comparer ça avec la corde d'une guitare qui est bien fixée. Le transport à cordes est un système révolutionnaire qui peut transporter un grand nombre de personnes ainsi que des cargaisons en manière super sûre et efficace. C'est un transport très intéressant pour la logistique locale, mais aussi internationale. Je voudrais confirmer encore que cette technologie peut être mise en œuvre avec beaucoup de succès, aussi bien dans les régions en haute montagne comme Suisse, Autriche, sud de la France, par exemple, mais aussi dans les plaines comme Belgique et Hollande. L'innovation de la communauté SkyWorld réside dans les caractéristiques de conception sous la structure de la voie de système contrôle automatique basé sur l'intelligence artificielle. L'ensemble des solutions ingénierie de la société permettent de réduire au coût de la construction et d'exploitation du système de transport de plus d'un tiers par rapport à un monorail conventionnel, de moitié par rapport à un chemin de fer et 5 fois moins encore par rapport à une autoroute ordinaire. Cette technologie offre un très grand potentiel. En fait, l'infrastructure des villes peut être complètement transformée dans une structure urbaine droite. Le plus que ces systèmes respectent l'environnement et permettent de vivre dans une ville beaucoup plus propre que nous vivons maintenant. Grâce à la résistance de la fibre d'acier conçue par l'ingénieur qualifié, il n'y a pas de question de mettre la vie des passagers en danger. Grâce à un système de contrôle intelligent spécialement conçu pour ces véhicules, il n'y a jusqu'à présent aucun accident lors d'essais de conduite. Les véhicules sont très flexibles, ils peuvent se déplacer librement en toutes circonstances. Ils sont très résistants à la chaleur, peuvent traverser de l'eau, des routes rocailleuses et ne provoquent jamais d'embouteillage. Tout cela parce que le véhicule se déplace en surface grâce à la direction automatique. Des éoliens et des panneaux solaires sont utilisés pour produire de l'énergie. Le moteur électrique, super sûr et efficace, et qui consomme la quantité minimale d'énergie qui permet de réaliser des économies importantes. L'avantage unique des systèmes de transport développé par Unisky String Technology permet l'utilisation intégrée dans les réalisations avancées dans le domaine des transports électriques en grande vitesse, respectueux de l'environnement. Le plus d'avantages commerciaux, la solution de l'ingénierie multicouche, les sociétés dans leur région se concentrant
sur les trois points objectifs industriels. Premièrement, ils permettent d'accroître le flux de marchandises et de passagers dans les villes existantes sans interférer avec l'infrastructure communautaire existante. Deuxièmement, ils permettent de relier ou d'optimiser le flux de marchandises entre chambres de production difficiles d'accès et le centre industriel et la plateforme de transport éloignée comme l'aéroport, centre logistique, etc., sans construire de terminaux supplémentaires. Et troisièmement, la solution d'entreprise offre une liaison transport écologique sans pollution, avec minimum de bruit pour les régions ayant des exigences environnementales élevées ou un impact industriel sur l'environnement interdit ou limité. Un véhicule, maintenant je voulais vous présenter notre modèle différent. Il y a 12 modèles jusqu'à maintenant. Je voulais commencer avec les véhicules qui avec grande vitesse, qui s'appelle U4-362, qui permettent de transporter des passagers et des vitesses ayant jusqu'à 500 km par heure, des passagers super sûrs et treillis. Il a entraîné un moteur électrique à la traction alimenté par le circuit en contact ou par le dispositif de stockage d'énergie embarqué. Il est utilisé dans le cadre des complexes de transport d'infrastructures pour assurer des liaisons de transport sur le trajet interurbain et international. Ce cabine comporte 6 sièges équipés d'un système de diversement pour les passagers. La carrosserie comporte un compartiment séparé pour les bagages. Notre véhicule, qui s'appelle Unitrack U4-131, destiné au transport de marchandises et le frac, liquide et dangereux, périssable et à la pièce. Il est entraîné par un moteur de traction alimenté par un circuit de contact des dispositifs de stockage d'énergie d'embarquer. Les chargements et déchargements, les Unitrack peuvent effectuer en mode automatique. Il est utilisé dans le cadre du complexe des transports d'infrastructures pour exploitation, installation industrielle, dans le cadre des infrastructures de ports, des sites minières, ainsi que sur les routes urbaines et suburbaines. L'autre modèle, qui s'appelle Unibus U4-210, avec équipe standard utilisée dans le complexe des transports d'infrastructures pour l'exploitation sur les routes urbaines et suburbaines. La capacité totale du véhicule est de 14 personnes, de 2 sièges. C'est propulsé par un moteur de traction alimenté par un circuit de contact du dispositif de stockage d'énergie embarqué. Un certain nombre de modifications ont été développées sur la base de ces véhicules. Une nacelle unique de capacité accrue avec une cabine augmentée, des véhicules composites basés sur un seul véhicule avec la possibilité de construire comme le train de 5, même les 10 wagons. Comme vous savez déjà très bien, M. Unitsky a concentré son attention sur le Moyen-Orient parce que le rythme que la part d'innovation et des technologies progressives des chargeurs se développe, c'est une révolution technologique et nous sommes le leader là-bas. Maintenant, je voudrais vous présenter brièvement notre modèle tropical, le développement de Unicar U4-431 a pris en compte les particularités climatiques pour Moyen-Orient. L'opération a été réalisée. Cette nouveauté est distinguée par un double système de climatisation, de suspension hydraulique, d'un double système de refroidissement, le plus grand stockage d'énergie à bord, un système de refroidissement amélioré ainsi qu'une cabine en design VIP similaire que lui l'automobile de classe d'affaires comme la Mercedes ou BMW. Grâce à la fiabilité ou la haute performance, au large éventail de l'option, ainsi qu'en simplicité
et la faibilité consommation des matériaux, de la structure des véhicules, les différents modèles de notre communauté peuvent devenir une solution universelle d'un certain nombre de problèmes de transport, telle l'organisation de transport de marchandises et de passagers dans une zone éloignée de régions en conditions climatiques difficiles. La construction de la nouvelle route dans les Émirats arabes unis est un excellent exemple pour ça. Et maintenant, chers amis, je voudrais vous parler brièvement de notre réalisation de notre entreprise dans les différentes parties du monde. Et nous commençons par le Vietnam. Nous sommes heureux de vous annoncer que le membre du conseil d'administration de Unitsky String Technology, M. Vladimir Maslov et František Solár, sont revenus d'un voyage d'affaires au Vietnam où ils sont rencontrés des représentants de nombreuses entreprises vietnamiennes et discuté au développement de Unitsky String Technology dans le pays. Le membre du conseil d'administration on est entretien avec le représentant des sociétés ThinkPad qui envisageait de construire une piste de 3 km jusqu'à la pagode Loi Am. À la suite de la réunion, un accord a été signé pour créer une entreprise qui s'appelle Vietransnet Ltd. pour soutenir le développement des futurs projets au Vietnam et obtenir une autorisation pour les activités d'investissement dans le secteur des transports. Une fois des préparations d'avant-projet terminées, le projet sera transféré à Unitsky String Technology pour travaux ultérieurs. Et une réunion a eu lieu avec les partenaires qui ont créé le centre d'information qui fait la partie l'association vietnamienne des travailleurs créatifs, l'association de travail étroite de collaboration avec l'organisation scientifique VUSTA, avec soutien des ministres des sciences et des technologies. Et maintenant, chers partenaires, je voulais vous présenter Madame Olga Veronica, qui est c'est une membre active des programmes des partenariats de notre organisation. Elle a récemment fait un travail incroyable pour attirer l'attention pour le projet des sociétés de République dominicaine. Olga a assisté à l'émission matinale Petit déjeuner musical et où l'a expliqué comment le système de SkyWorld et comment soutenir notre projet. En outre, notre représentant a pu rencontrer la maire de province, la Romana, et la présidente du Conseil national sur le changement climatique, la République dominicaine. Olga a discuté avec politiciens aux perspectives d'introduction du transport Skyway dans le pays. Olga Veronica a également organisé 3 présentations en ligne sur le projet de SkyWorld Community de la société à Santo Domingo, c'est la capitale de la République dominicaine, qui ont été visitées par 90 personnes au total. Ces résultats ont été largement obtenus grâce à publication dans les médias, à partition de la télévision et des rencontres avec des politiciens. Le renforcement des positions de notre communauté au Moyen-Orient est la principale tendance de notre société. Et cette année, la technologie a été officiellement présentée comme un potentiel pour mise en œuvre de plans de développement des infrastructures de Dubaï. Une série de projets proposés par le ministre du Transport du pays a été approuvée avec le chef de la région, avec Hussein Mohamed Al-Mahmoudi. Le projet comprend un système de transport urbain de longueur totale de 15 km avec 21 stations qui peuvent être mises en œuvre grâce à notre technologie. Je voudrais souligner aussi que Son Altesse, Monsieur Sheikh Sultan Ben Mohamed Al-Qassimi, vous pouvez lui voir ici sur la diapositive à droite, aussi visiter le centre d'innovation et construction à Sharjah. Cet événement a été largement repris par les médias aux Émirats. Au cours de la réunion, attention des particulières a été accordée dans la structure des voies, au ancrage des supports intermédiaires
pour certaines charges, il est supposé qu'il est pendant le fonctionnement normal, ils ne peuvent pas être endommagés. Nous effectuons des tests réguliers de notre système, pas seulement à Ecotechnopark à Biélorussie, mais aussi à Sharjah. C'est nécessaire pour déterminer les méthodes de conception, élaborer des solutions de conception et la définir certains dispositifs dans le matériel roulant. Nos constructions ferroviaires en surface sont multifonctionnelles. Ça signifie qu'ils peuvent être utilisés dans les différents pays, dans les différentes conditions climatiques, ayant des températures moins 50 jusqu'à plus 60. Nous pouvons passer au deuxième niveau, à quel nous allons et nous surmontons dans tous les obstacles qu'il ressent sur notre chemin. Maintenant, je voulais parler de blocage des canaux Suez qui a mis en lumière un problème. La fermeture d'un canal par lequel transitent environ 30% de trafic mondial et le conteneur de 12% des commerce mondial pendant une semaine a entraîné la perte d'environ 10 milliards de dollars par jour. Il est évident que le simple projet d'élargissement du canal ne suffira pas. Aussi, l'opérateur du marché, le logistique, il cherche déjà une alternative au transport traditionnel par les bateaux via les canaux de Suez. Mais notre entreprise a été la première qui a proposé une telle solution de transport alternatif. Grâce à une solution aussi simple et innovante, le complexe de transport des marchandises UST parallèle au canal de Suez présentait déjà au départ des caractéristiques plus avantageuses et qui transportent traditionnels. Ainsi, selon l'estimation préliminaire, le coût du système de transport électrique terrestre, le marchandise de notre société, ça va coûter environ 10 millions de dollars par kilomètre, sans compter, bien sûr, la matériel roulant et le terminaux de chargement et déchargement, mais ce soit 5 fois moins cher que le coût du canal de Suez, le complexe de canal. Le complexe aurait été capable de livrer une marchandise à une vitesse de moyenne de 80 km, soit 6 fois plus vite que celle du navire maintenant. Madame Nadezhda Kozireva, c'est une directrice générale de notre société, déclarait que la situation des canaux de Suez a mis en évidence la nécessité de diversifier la logistique et l'économie mondiale. Nous sommes heureux de contribuer à son renforcement grâce à nos solutions de transport innovants. Notre technologie a été certifiée et protégée par les droits d'auteur dans les plus de 180 pays du monde entier. C'est une réussite phénoménale, mesdames et messieurs, et nous pouvons aussi faire beaucoup pour améliorer la mobilité urbaine et l'accessibilité de transport. Prenons par exemple Paris ou Bruxelles. Le trajet aller simple entre domicile et votre bureau prend plus de moins 2 heures avec l'embouteillage total qui est pour l'instant sur l'autoroute. Mais avec l'aide de transport de notre communauté, ce temps de trajet peut facilement être réduit d'un moitié. Pour le début de cette année, nous constatons une grande augmentation de la gamme de modèles. Les nouveaux unibus sont rassemblés sous la forme d'un train, comme j'ai déjà dit, entre 2 et 10 cabines, avec une capacité de 50 personnes de maximum. Mesdames et messieurs, pour conclure notre webinaire d'aujourd'hui, je voudrais un peu résumer quelle est notre philosophie pour la situation globale pour l'instant. Qu'est-ce que nous vous proposez? La communauté SkyWorld offre une solution aux problèmes écologiques, socio-économiques et des solutions aux problèmes liés à l'inefficacité de transport de notre époque. Il s'agit d'une solution globale pour le développement des zones, comprendre les zones inaccessibles telles que les montagnes, le jungle,
les fonds marines, les taïgas, les déserts, etc., qui apportent une solution à un problème urgent de l'humanité en matière d'approvisionnement d'énergie énergétique, l'expansion des systèmes de transport, des sécurités environnementales, des santé, ainsi que le développement de nouvelles zones et le développement urbain durable. Cette année, mesdames et messieurs, je suis sûr et certain, et pas seulement moi, mais mes collègues aussi, que ça va être une année de transition pour notre entreprise. Si on regarde sur les événements de l'année passée, 2020, de la situation totale n'a pas été facile pour nous tous. Il a été nombreux événements turbulents tels que la transmission du virus corona, le lockdown, qui beaucoup plus, mais malgré tout cela, le monde qui s'y oppose, nous sommes convaincus que notre technologie sera adoptée dans le monde entier dans un avenir proche. Il s'agit d'une solution de transport pour les générations de futur. Si vous avez des questions et si vous référer aux ressources sur notre site officiel, je vous souhaite de surmonter toutes les difficultés sur le chemin de la victoire. Nous comptons sur la société et la prospérité des SkyWorld Community avec tous ses avantages pour notre planète. Je vous remercie de fond du cœur pour vos intérêts sincères pour notre technologie et j'espère de vous voir bientôt avec de nouvelles. Au revoir.